Sans moi. Je n'ai même pas dit bonjour à Dieu éternel. Ce que je suis, c'est ça. Moi, je parle calmement là. Tu le sais très bien. Parce que tu payais. Tu payais même pour que. Tu payais toi, Dieu éternel, devant moi. Même les chemises, même les choses, tu payes. Tu payais. Même quand on va même boire comme ça, ne veut même pas que machin, tu as fait ceci, machin, tu as fait ceci. Tu payes le whisky. Tu dis, hey, moi, je m'en vais, il faut que je rentre toi. Tu sais que l'enfant va aller à l'école. Voilà le whisky de Dieu éternel. Dieu éternel, moi, je dis, Dieu éternel, voilà le whisky de ta femme. Les filles, j'ai tenu compte. Elle me dit, maman, tu la connais bien. La femme, la fille, elle est gentille. Hein. Elle dit, ah, mais elle m'a laissé donner quelque chose. Moi aussi, je te donne. Si c'est quelqu'un qui te connaissait et que vous allez fréquenter ensemble, elle vient demander que la fille est gentille. Hein. Donc, tu racoles tout le monde à Facebook. Tu es une racoleuse, c'est moi qui t'ai dit. Tu es une racoleuse et tu resteras racoleuse toute ta vie. Les petits énergumènes là, qui m'insultent, qui viennent maintenant vers toi pour m'insulter. Un, parce qu'elle ne m'atteignent pas. De deux, je les ai tous bloqués à Facebook, à les dénigrant, à les insultant. Et c'est normal qu'elle parte dans le camp Alves. Tu entends, non? Les gens ne t'aiment même pas là-bas parce que tout le monde voit comment tu racoles. Comme j'ai vu un truc pour dire que je racole ton mari. Moi, j'ai besoin de racoler ton mari. Même le noir avec qui je baisse, tu ne peux pas les baiser. Même le blanc avec qui j'ai vécu, tu ne peux même pas. C'est la racaille, ça. Tu vis d'abord dans, quel quartier? Dans à mon ville, Grèce. Là-bas, il n'y a que les Portugais et les Arabes. Et tu ne me parles de quoi? Tu dis, je vis dans mon pauvre HLM. C'est dans le 92, s'il te plaît, et ça m'appartient, c'est à moi. Toi, tu as quoi, toi? Voilà ta mère qui se fout là-bas au Cameroun avec Déa. Tu ne parles même pas avec ta mère depuis des années. Tu as posté la photo de ta mère à Facebook un jour. Tu as posté? Non. Pourquoi tu ne parles pas avec elle? Tu ne manques de respect. Avec ta bouche qui sort là comme le bonobo. Avec ta tête là qui est comme Kimbo. Tu entends? Je te dis d'abord que toi et moi n'est pas égal. Tu n'es pas mon égal. Tu venais chez la Stamania. Je te donne la Stamania encore. Mais je t'ai dit que le 7, je vais aller chez Amout. Même si je n'entre pas, je m'en fous. Je serai dehors. Je vais t'attendre là-bas. Comment tu as dit carrément que tu vas prendre la voiture, venir chez moi? Tu sais que moi je ne sors presque pas. Tu connais mes heures, que je dois avoir des médicaments et tout, tu connais les choses. Viens, je t'attends. Il faut bien que quelqu'un va prendre son chauffeur. Ah non, c'est ton chauffeur. Arnaud, c'est ton chauffeur. Arnaud, c'est un taximan que nous tous on connaît. Quand je vais sortir comme ça, j'appelle Arnaud. Il vient me déposer. Hein? Arnaud. En tout cas, ça, Arnaud, moi je le respecte. Moi, je ne veux pas l'insulter parce qu'il n'a rien fait. C'est juste un chauffeur qui cherche ta tête. Donc, ne fais pas croire que tu as un chauffeur à ticket. Avec quoi? Ton mari a une pauvre client. Moi, ma dernière voiture, Cayenne. Les autres que j'ai donné ici, BMW qui sont sortis, j'ai tout remboursé. J'ai tout les, comme j'étais à l'Égypte, j'ai tout donné. J'ai dit que je ne veux pas avoir restauré les dettes. Mon mari est mort sans me laisser aucune dette. Tu vois que moi, je suis monté à une Clio un jour. Les voitures qu'on vend à 2000 francs ici, c'est ma dernière fille, vous, la Clio. Celle qui m'avait sauvé là. La seule que vous trouvez plus belle là. Elle est où la Clio? Tu entends? Hein? C'est pas parce qu'elle n'est pas venue avec sa voiture. Je vais aller la voir bientôt. Tu vas me voir dans sa voiture. Tu entends? Donc, je ne peux pas parler avec toi, je ne suis pas ton égal. Va raconter là où tu racontes là. J'en ai rien à foutre. Tu entends? Tu sais qu'elle n'a pas écrit mon nom, elle écrit jusqu'à. Tu peux appeler quelqu'un chienne, tu peux écrire chienne. Toi tu ressembles d'abord à une femme mariée. C'est toi la sale chienne de Facebook. C'est toi la vraie chienne. Tu vis comme une femme mariée. Et mon cas seulement, tu vas se mettre les streams. Tu mets à Facebook. Tu es femme mariée, toi. Tu ne prononces même pas ton nom ici. Parce que je n'ai même pas envie de te fabriquer. Mais je vais t'insulter autant que je veux. Je te donne rendez-vous. Comment tu es trop forte. Tu vas venir taper sur la veuve. Approche-moi un peu, voir. Vous allez entendre ici dehors. Regarde-moi celle-ci. Oui. Reste là où tu racoles. Là-bas, tout le monde sait que tu racoles. Et la plupart des pédagogistes ne t'aiment pas. Mais elles sont obligées de t'aimer. Parce qu'elles ont dit que là où ma foi aime quelqu'un, nous aussi on l'aime. Mais la plupart ne t'aiment pas. Tu racoles. Si tu ne payes pas les produits là, les 70 produits que tu vas payer là, on va aller te prendre dans le gouvernement là. Tu vas payer, il faut payer, parce que tu as dit que c'est 70, on m'a seulement dit. Tu vas payer 70 produits, tu vas aller mettre ça dans ton truc. Je verrai qui va venir payer ça là-bas. Va payer, tout ce que ma faute, c'est l'argent. C'est ce que nous tous on veut, qu'elle gagne. Et tu vas payer toute ta vie. Tout ce qu'elle parle des sacs, elle me sort les vieux, tu peux arranger une chambre, une maison. Hein? Tu peux arranger une maison, quoi. Le jour que tu m'invites chez toi, pour la première fois, j'arrive là-bas, maman. Tu vois le sol rempli les cafards. Je vous dis qu'il y avait des cafards là-bas. Rempli de tout. Je dis que ma soeur, c'est comment? Son mari a fait là-bas. Elle m'a fait là-bas. Je dis que moi, tu m'invites, c'est moi qui vais encore travailler. Et comme moi, j'aime bien travailler, parce que moi, il me semble que, d'abord, moi, j'aime travailler.
C'est comme ça que je pars. Angéline, Angéline Maëlys, je parle d'elle si je veux. D'accord? Je parle d'elle si je veux. Tu entends? Sombre saute. Quand même, tu te là-bas dans ce gigat à la con là. Hein? Je parlais d'elle. J'ai prononcé son sale nom. Elle est qui? Elle, ça peut être toi. Ça peut être vous tous qui sont là. J'ai prononcé le nom de quelqu'un ici. Vous vous reconnaissez? Je vous ai appelé ici. Je veux que chez moi, ne parle pas fort. On ne commande pas quelque chose qui ne va pas à mon sens. Si tu n'as rien à faire, tu fermes ta bouche. Pourquoi tu parles d'elle comme ça? Je ne vais pas parler d'elle. Elle est qui? Elle est quoi? Un indien? Hein? Pourquoi tu parles d'elle comme ça? Vous reconnaissez la personne? Non, j'ai prononcé le nom ici. Elle dit que je parle d'elle, elle va me faire quoi? J'attends que tu la bastonnes ici devant ma porte. Elle a son chauffeur, Arnaud. Maman, Arnaud, comme ça, je l'appelle que viens me chercher. Je lui donne 2 euros. Il me dépose là où je suis. C'est un taximan de tout le monde. À Paris, tout le monde le sait. Dis donc. Je dis qu'ici, allez m'insulter là. Ici, chez moi, ne parle pas fort ici. Quand tu veux dire quelque chose, tu avales. C'est moi qui parle fort, c'est mon gouvernement, c'est moi qui l'a créé. Comme j'ai dit, c'est comme ça. En passant, j'ai ma nouvelle première ministre, Morgan J'aime. Bienvenue au gouvernement de la joie, ma soeur. Parce que toi, au moins, tu ne cherches pas la stamania à 2 balles. Tu ne racontes personne. Tu es une personne humble et bien. C'est tout. C'est pour ça que tu es dans mon gouvernement, c'est tout. Tu es belle, tu es classe, tu sais bien parler. Tu ne cries pas comme le Bodobo qui crie là-bas dans son avec ta tête comme Kimbo. Regarde-moi une petite sale, il est très mental comme ça, sale chienne. Parle d'abord avec ta mère. Parle avec ta mère. Quelqu'un part au Cameroun, il ne présente même pas sa mère à son blanc. Pour que son blanc voit sa mère, c'était un problème. Je suis au courant de tout. Maman, moi, je vais prendre un blanc ici, aller jusqu'au Cameroun. Le blanc ne voit pas ma mère. Il ne voit pas là où j'ai grandi. Sauf aller faire les sales vidéos dans les sales mythes d'hôtel à Kribi ou à Dora. Tu me parles, toi. Tu connais la vie. Tu sais, on a fréquenté ensemble ou bien manger les macabos ensemble. Dis donc, ici, c'est chez moi. On ne parle pas fort chez moi. Ici, tout le monde doit être d'accord avec moi. Si tu veux rester dans mon gouvernement, tu viens parler quelque chose qui ne va pas, je te bloque. Et c'est comme ça. Aller là-bas, là où on me tue. Mais elle arrive trop tard. Il faut dire que c'est déjà monté depuis des années. Quand tu viens de me coller ici derrière, la veuve. Il y avait même étant enceinte. Je ne voulais même pas sortir, elle me faisait sortir. Parce qu'il faut qu'on nous voit ensemble. Vrai ou faux? Aujourd'hui, tu as trouvé une grande famille. C'est là-bas qu'on va te déchirer tes fesses là. Comme c'est déjà d'abord comme ça, bombé là. On va encore bien écarter ça là-bas comme ça. Là, je serai assise ici. Le gouvernement de la joie sera assis ici. Je vais me moquer de toi comme ça. Ça serait plus bon. Donc, mais là-bas, reste tranquille. Reste tranquille, tu dis que Amen. Là-bas, c'est Amen. Tu parles fort, on te déchire là-bas. Et ici, même chez moi, tu parles encore fort. Là-bas, tu vas aller parler. Tu vas parler fort avec qui? N'oublie pas, hein. Ce sont mes gens aussi, hein. Et boire là. Elle parle jusqu'à écrire mon nom avec sa voix de sale crapaud. Toi, avec ton bonobo de merde là. Je vous ai donné rendez-vous. Quand tu veux. Comme pas ce qu'on dit là. Même aujourd'hui, quand tu veux. Tu me donnes rendez-vous, je m'en viens. Je m'assois. Je t'attends. C'est moi-même qui vais aller m'asseoir. Parce que je veux qu'on me tape. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas tapé. Par contre, comme ça fait une semaine qu'on m'a tapé, il faut qu'on me tape encore. Tu devais de votre tam-tam. Dieu, je vais t'allumer. Tu vas me sentir passer. Vous me dites, non, la veuve, nous, on aime trop dans la joie. Il faut bien parler les choses. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut bien lui mettre les pendules à l'or. Hein? Il faut mettre les pendules. Moi, je mets les pendules à l'heure avec toi. Tu n'es pas mon égal. Tu es peut-être ma dernière petite sœur. Tu n'aimes pas l'âge. Tu as l'âge ma dernière petite sœur qui va se marier là. Avec l'homme qu'elle aime. Pas l'homme des papiers. L'homme d'enculage. Mais regarde-moi si tu es son bidou aussi. Tu fais ça à qui? Je te fabrique, mais je ne prononcerai jamais ton nom. Tout Facebook sait que c'est toi, mais je ne prononce pas ton nom. Ça peut être n'importe qui, mais c'est toi que je déchire là. C'est toi. Non, ne prononce plus ça. Non, tu parles. Je parle. Quelque chose m'énerve, je suis libre de parler. Ne me dites pas que non. Quand tu parles pour détruire la fabrique, par rapport à fabriquer quoi sur elle, j'ai besoin de vues. Si elle veut m'avoir des vues, je suis d'accord avec elle, qu'elle est vue. Qu'elle est suite. Hein? Mais elle arrive trop tard. Les injures, les petits injures du quartier, sa chienne, c'est quoi? C'est ce qu'elle écrit. En dehors de crier, tu vas encore les crier où? Morgan Jamais là. Ma première ministre. Morgan Jamais te tue tous les jours ici. Tu es incapable de la répondre. Elle a conçu, hein? Elle a ses taxis, ses maisons payées. Toi, tu es là avec ton. Tu dis que tu es riche. Tu paies les trucs inutiles.
Ta maman vit dans le carabot. Et vous connaissez le Bassa. Quand l'homme Bassa est pauvre, imaginez. Oh, nous sommes ça où on sort. Hein? Mais moi, ma mère se lave, se douche avec l'eau chaude à faire mon limon. Elle fait la douche comme ça. Chut. Elle chie dans les bidets. Elle s'assoit comme ça. C'est comme ça. Ne plus le même pirater. Est-ce que j'ai encore fait quoi ici? Hein? Vous comprenez? C'est tout. Vous êtes là, vos parents. On devrait crier à Facebook. L'argent que tu. Ah, envoie 2 millions, on arrange, on commence même à faire le début de fondation de ta mère. Ta mère, on dirait tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Elle est assise sous le payon de la porte. Elle est comme ça. Toi, tu viens tourner, tu fais ça Facebook. Tu as vu comment ma mère est. Elle est belle, elle est gracieuse comme moi. Elle n'est pas sexée comme le Macanjo. Mais elle demande que j'arrête quoi? Est-ce qu'elle peut me demander de ne pas clasher que je ne clashe pas? J'en ai rien à foutre. On ne me demande pas de faire quoi que ce soit. Mais elle va lui demander de faire comme ça, vu qu'il y a des intérêts là-bas. Moi, j'ai quel intérêt? Elle a quel intérêt derrière moi? J'en ai rien à foutre. Quand elle veut la cacher, la clash, je te dis, j'ai enlevé la vidéo là, parce qu'il y avait ce Dieu éternel dedans. S'il n'y avait pas Dieu éternel, la vidéo là restait. Personne ne me commande sur la toile. J'ai fait ce que je veux sur la toile. Personne ne me commande. Je ne suis personne. Je ne serai personne dans son camp. Je ne serai personne passe là où il veut sur la toile. Que tu es qui? Maman, je suis quelqu'un, maman, je respire moi. Toi, va au tabac. Si tu ne te demandes pas d'aller au tabac. Hein? Suivez ton mari, tu allais être où aujourd'hui? Elle reste à la maison toute la journée. Elle fait les Photoshop, les vidéos sur place. Alors qu'il y a une petite fille qui a acheté à son mari là-bas au tabac. Si son mari te disait même pas s'il peinait, continue. Continue, c'est une fille qui avait prendre ton mari. Regarde-moi, je sors avec les rouquins. Hein? Je sors avec la carte là. Tu as apparemment. Tu as dit que. Elle a dit quoi? Que je veux dire le nom des gens que tu as parlé. Je suis désolée pour toi, ma belle. La petite sale pute. Désolée pour toi, je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais fait le concert. C'est que quand je suis avec les gens, je n'ai pas fait le concert. J'étais vu venir depuis. Je n'ai jamais parlé le nom de qui que ce soit avec toi. Je dis que jamais. Ce que tu vas parler là, c'est ce que les gens vont te dire que dis ça. Parce que je n'ai jamais été nulle part avec toi. Comment tu as appris l'autre jour que j'ai dit que tu tues ton mari? Toi et moi, ou quel genre de conversation je peux avoir avec toi? Parce que c'est faux. Tu entends? Tu es fausse. On sent que là, ta manière là, tu trop. Hein? Dis donc. Maman, tu vis avec un petit misérable blanc qui a des tabacs. C'est comme si tu as trouvé un milliardaire. Maman, c'est des Monaco là qui ont des milliardaires. Là, ils vont faire comment? Quitte le mariage une fois. Je souffre parce que je suis seule. J'ai l'air seule là. Ma vie privée ne la regarde pas. Hein? Ma vie privée ne la regarde pas. J'ai toujours caché ma vie privée. Ça ne regarde personne, ça me regarde moi. Je suis une femme, j'ai mes besoins. Pourquoi je vais venir exhiber un homme à Facebook? Qui n'est pas un homme avec qui je veux fonder quelque chose demain? Non. Je veux vous montrer que voici alors mon homme. C'est l'homme qui va m'épouser. Ou l'homme qui va vivre avec moi. Vous comprenez? Je ne veux pas prendre n'importe quel homme à aller mettre à Facebook. Vous êtes ce que je suis, vous êtes ce que je dors seul. Oh. C'est ma vie privée là-bas. On a tout dit à Facebook de ce côté, la personne ne verra rien du tout. Je suis une femme. Je souffre, je suis seule. Il y a quelqu'un qui est seul dans la vie. Vous voilà avec moi, non? Elle est souffre, elle n'est pas. La plus malheureuse de cette toile, c'est toi. Tu sais très bien que tu es malheureuse. Tu n'as même pas de discussion. Toi et ton mari, vous avez une discussion. C'est, maman, les deux la font souvent comme si ils sont les deux co-épouses. L'homme, ils disent même passe-moi l'eau. Ça devient un problème. Leur couple, si ça tient, hein, on verra bien. Va encore bien cimenter. Là où tu passes, là-bas, il y a cimenter. Et aucun. Je dis que, mais ça, c'est quel couple ça? C'est que personne. Elle est là-bas, bon, bon, bon. Tout là-bas, bon, bon, bon. C'est tout. Tout que ton mari sait, tu m'as demandé, c'est que. Alors, Elisabeth, tu as vu les petits fesses de ma fille? Hein? Alors, tu penses qu'elle aura les mêmes fesses que sa mère? Je lui ai dit que, hein, il faut essayer pour voir si elle est même parce que c'est ta mère. Tu entends? Voilà les discussions qu'on n'a pas. Il pense son pénis, film, un pion. Maman, heureusement qu'on a voulu monter. J'allais balancer ceci à Facebook. Sale chose. Merci. Hé, hey, pas d'agobert, il va manger pour aujourd'hui. Manger quoi aujourd'hui? Voilà, que le soir, je m'en vais chez le chinois. Tu dis quoi? Je suis seule. Mieux d'être seule que d'être mal accompagnée. Ma vie privée ne vous regarde pas à Facebook. Ouais.
Moi-même, je forme bien tous les jours. Vous ne verrez pas avec qui. Eh oui. Maman. Ça vous énerve tellement à ce point-là. Vous voulez savoir tout de moi? Non. Je suis seule dans mon bungalow du 92. Je ne suis pas dans un quartier des Arabes et les Portugaises. Eh, 92, c'est n'importe qui comme lui ici. C'est n'importe qui. Pour aller chez toi, c'est comme tu quittes Douala pour aller aider. Vous comprenez? Vous avez vu Douala aider, non? C'est comme ça que quand je quitte ici là pour aller chez elle. C'est comme quitter ici pour aller aider. C'est là-bas où elle habite. Elle parlait qu'elle est en France. En France, comment que c'est? Maman, tu y a que les Arabes en route, les chiens qui chient partout. Il n'y a même pas les blancs, il n'y a que les Portugais. Tu aimes parler, toi? Viens ici chez moi. Il n'y a que les blancs. Même les Arabes, ils se comportent comme ça dans le pion. Sauf mon voisin d'en bas. Et c'est d'en haut. Vous savez, c'est d'en haut, là, non? Je ne vous ai même pas dit ça. Elle est maintenant calme avec moi. Pourquoi? Parce que moi, voilà, qui part comme mes pieds se baladent tout dans la. Moi, je sors toujours le matin. Mais voilà qu'il soit. Il y a un hôtel ici en bas. Il y a un hôtel en bas. Mais je veux la fabriquer, non? Est-ce qu'il y a un problème? Je la fabrique. Elle va être maintenant qu'elle va faire ses vidéos, vous allez courir là-bas écouter ce qu'elle dit. Mais c'est ça, non? Il faut bien la relève à Facebook. Hein? Nous sommes les vieilles femmes. Il faut qu'on commence à quitter doucement. Moi, je veux te fabriquer, hein, ma fille. Je veux te fabriquer. N'est-ce pas? Moi, voilà qui part. Ma voisine. Je vois comment une femme sort de l'hôtel, elle fait comme ça. Maman, je l'ai insultée là-bas jusqu'ici à la maison. Elle dit que donc, tu fais la prostitution. Une femme mariée comme toi, tu vas à l'hôtel. Elle dit que jusqu'aujourd'hui, elle. C'est bonjour voisine. Bonjour voisine. Elle dit que. En tout cas, il est déjà démasqué. C'est, donc, quand elle passe jouer, les femmes, ce sont chinoises. Elle s'habille, elle met son chaud là, elle part. Elle met son tu là-bas. Tu vois comment elle parle, tu crois qu'elle parle quelque part, alors qu'elle parle Binda. D'accord. Jean Banassa, je voudrais voir tes pieds s'il te plaît. Ça va pas, non? Tu es un pétéchiste ou quoi? Oui. Bah, tu m'envoies des sous, je te filme mes pieds, je t'envoie. Ça va pas? Je la bloque pourquoi? C'est une fille bassa, non? Je fous quoi avec elle? Moi, je suis née idée, hein, à Pongo. Imbécile, c'est pas parce que je parle. Ma première fille est née idée, hein. Et puis, t'as 100 cas d'idée. Imbécile. Pourquoi c'est même vous-même votre idée, là? Chouette. Mes meilleurs amis sont des bassins, hein. Imbécile. Et la bloque, pareil, reste là. Je la bloque pourquoi? Au revoir, oui, au revoir. Elle est partie. Tu sais que quand les gens m'insultent, ça va vite. Tu m'insultes, elle va m'insulter encore dans l'autre pays. Elle va attendre mes vidéos. Et maintenant, les vidéos sont interdites à Kongosa. Mes vidéos de Kongosa, personne ne peut commenter. Tu commentes, je vois chez moi. C'est pour ça que tu vois que il y a pas, les gens ne commentent pas là-bas. Hey, tu c'est plus comme avant qu'il prenait les vidéos, il mettait là-bas, les gens t'insultaient là-bas. Tu ne voyais pas. Maintenant, hein, vous allez souffrir. Même vous, parce que c'est les directs, c'est qu'ils partagent là-bas. Dès que tu commentes mal là-bas, ça me signale qu'on vient de commenter. Je parle de bloquer bien. Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez tous partir. Chez moi, on doit rester. On doit écouter ce que je dis. Et c'est tout. Vous devez accepter ce que je dis. Si vous ne voulez pas accepter, vous quittez mon direct. Je ne vous oblige pas à rester ici. Le gouvernement, la joie, est toujours en joie et la bonne humeur. Même quand j'insulte les gens, je ris. Parce que moi, ça ne me gratte pas. Ça ne me gratte pas. Maman, les gens qui m'attendent derrière les gens. La chinoiserie, elle est chinoise. Vous allez vous voir bientôt. Un jour, elle va dire qu'elle va faire la même chose qu'elle a fait là. Elle va s'asseoir comme cela. Elle va faire la même chose là-bas. Parce que là, elle voit qu'elle me clash. Elle n'a pas assez de vues. Comme les vues qu'il faut, il n'y a pas assez. Elle va aller tenter là-bas, là, vous connaissez dans haut là. Et ça va arriver. C'est moi qui vous dis. Ça va arriver. Je n'ai pas souvent ici à Facebook. Vous avez dit, il a dit à Mélanie, fille, que je n'aime pas la fille. Sinon, on dit que oui, tu es jalouse de ma fille. Tu es jalouse. Elle est où aujourd'hui? Attendez. C'est vous-même qui fabriquez les monstres là-bas chez vous.
C'est vous qui fabriquez les monstres. Continuez à les fabriquer. Il faut goûter son... il faut le prendre. Il va même sur la beau bois, non? Là-bas, à ma ville, il y avait des camions, là, non? C'est un nom, là-bas. Ah bon, hein? C'est pour les bakoko là-bas. Je sais. Moi, j'ai grandi là-bas. Ma première fille est née là-bas. Mon père était commandant là-bas. Il était. Et que j'ai été à l'école là-bas. Non. C'est mes petits soeurs qui ont été à l'école là-bas. Elle a couché ma première fille là-bas. Il était. Parlant de quoi? Quelqu'un est même là. La petite fille n'a même pas encore 5 ans. Lisa a quel âge? La petite fille là où c'est 3 ans, 4 ans. Ou 5 ans, oui, elle peut avoir 5 ans cette année. Tu me parles, ma mienne a 23 ans, l'autre suit 19 ans. Tu vas me parler à une maman comme moi. Elles sont métisses, et pas n'importe quelle métisse, métisses de luxe. Pas des métisses avec des grosses têtes, avec des visages comme on a appuyé partout, partout. Junior Dongola, tu dis que quoi, tu m'aimes et je ne réponds pas. Hein? Ouais. Attendez, je vais faire une descente à son tabac là. Bientôt. Qu'elle continue. Tu veux combien comme argent? Envoie-moi 500 euros. 500. 1500, c'est ça non? 1500. Envoie-moi 500 euros. Tu vois qu'on voit mes pieds n'importe comment. Mes pieds sentent bon et ça sent le beurre et ça sent pas le camembert. Mon nom c'est Elisabeth d'Aigremont, c'est mon vrai nom. My name is Elizabeth de Elisabeth d'Aigremont. C'est mon vrai nom là-bas que je vais ici à Facebook. Ce n'est pas le nom des chavous là. Hey, je prenais ça comme un nom. Un fait là-bas comme le Macanjo. Tu sais que là-bas comme le Macanjo, le délai a brûlé là-bas, tu viens parler à qui? Tu vois que moi je force pour entrer le monde des stars là, je ne force pas. Moi, tu vois, mon meilleur vu là, vous alliez là pour les serrer, les gens me lever un jour. Je suis tellement orgueilleuse que vous ne me connaissez pas. Hein. Qui? Tu peux, une gars star, pour t'asseoir à côté de moi là. Vous allez, tout le monde va la saluer sauf moi. Je ne salue pas, je reste assis. Même les photos, je ne prends pas avec les gens. Je m'en fiche. Je ne suis pas allé en mode pour saluer les gens. Non. Il faut être fier de vous. Vous vous mettez avant quoi avec vous, c'est bien quoi, c'est le bon Dieu. On vous demande d'aller à l'église tous les dimanches, vous ne partez même pas à l'église les dimanches. Seulement pour aller dans les soirées, saluer les stars. Qui? Moi je ne salue personne, tout le monde me connaît. Même les photos, mais je ne fais même pas. Sauf si c'est vraiment les photos volées qu'on me filme comme ça. Oui, tu peux me voir comme ça là. Non. Sauf si vraiment la personne veut me filmer. Elle dit que oui, filme-moi. Oui. Moi écoute les gens. Si vous la fabriquez, hein, je te fabrique moi. Mais je te fabrique. Là, tu ne sers à rien. Les jours que tu vas comprendre, les vies ne servent à rien. Parce que toi-même, tu n'es pas à capter. Tu n'as même pas d'abord les bonnes conversations. Tu n'as pas les bonnes. Tu vas dire quoi aux abeilles là. Tu vas leur dire quoi? Hein? Maman, elle vient à créer aussi sa page. Maman, ça va vite. Hein? La goutte de la star. Pardon, elle m'a préparé mon riz. Je mange mon riz. Oui. C'est chez moi dans mon bon galop. Oui. Propre. Et nique ta race. Tu crois qu'elle va niquer ma race? Tu peux niquer ma race? Moi, je te nique ta race 1 million de fois. Chouagne. Maman. Hey. Maman, les filles qui sortent avec les milliardaires, elles font comme ça. Maman, heureusement qu'on t'a seulement donné seulement le tabac. Hein. Heureusement que tu t'es arrêté au tabac. C'est que tu prenais seulement quelqu'un qui a empoigné beaucoup d'argent là. Tu allais faire comment? J'ai l'argent. Avec tes seins et papiers, tu sens les seins qu'elle a fait l'avortement jusqu'à. Moi voici, j'ai perdu mon Dieu donné, mes seins sont encore même plus debout qu'avant. On appelle ça les debout. Avant de nous parler, tu as un beau corps, ça c'est vrai. Tu mets les belles, mais où sont les seins? C'est ça que l'on voit d'abord. Après, on doit voir la culasse là-bas derrière. Imbécile. Papa, mon ami sautait. Avant, va joyeusement aller chercher. C'est tout. Si tu ne disais pas que vous au tabac, va suivre ton gars là-bas. Ça n'est pas la grande gueule que tu fais là maintenant. Maman, attends. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Bientôt, ton tour va arriver. Hein? Le tour là.
Le jour là, je veux maman la danse de ça que tu ouvres ici à Facebook. Maman. Hey. Maman, il y a les filles ici qui ont l'argent. Il y a les filles ici qui sont. J'ai l'argent. Maman, tu as que l'argent. Tu sais ce qu'on appelle que l'argent. Tu as l'argent, toi. Tu as l'argent. Même au Cameroun, je connais les filles qui ont de l'argent. Quand ils viennent ici comme ça, elles n'arrivent même pas à dépenser tout. Elles partent avec. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Maman, tu as l'argent et tu as un compte nickel. Moi, je suis à la CIC. Et j'ai mon compte à la banque postale. Tu as l'argent, tu as un compte nickel. Vous avez les comptes que vous partez là à Carrefour, vous payez. Vous allez au tabac. Vous activez au tabac. C'est ça que tu as. Et tu viens me parler à moi. Merde. Ma maison est sale. C'est sale. Mais c'est ce que tu venais t'asseoir pour manger avec tes fesses pourries là. C'est ici chez moi, tout le monde t'a vu. Comment tu venais? Si tu savais le nombre de gens qui me disaient que non, la veuve, non, on n'aime pas la fille ici. Tout le monde me disait, ça sent vous mentir, mes amis. Chaque fois que j'allais quelque part, les gens disent que non, la veuve, non, on n'aime pas, on ne la sent pas. Mais comme moi, je suis quelqu'un que, si je n'ai pas encore vu, je suis Thomas, si je n'ai pas encore vu ma part de dose, hein, je n'accepte pas. Si je t'ai jeté depuis, regarde-moi celle-ci. Je connais telle. Tu vas payer partout. Tu vas payer toute ta vie. Jamais tu ne seras personne. Moi. Quand j'arrive à l'aéroport, on me connaît. Dans l'avion, on sait que voilà, je vais là-bas. Même dans mon Éthiopie, à que j'aime aller là. Il y a les Camerounais qui voient dedans. Bonjour la veuve. Ça va la veuve. Moi j'aime l'Éthiopie. Ça va la veuve. Parce que là-bas, l'Éthiopie, on boit le vin là-bas bien. On mange bien. On mange quatre fois l'Éthiopie. Maman mange bien là-bas jusqu'à. Le vin, hein. Tu vois les huiles qui sont placées là comme ça. Vous me connaissez alors. Quand je ne vois pas d'Agoubert. Ah, j'entends souvent les discussions là-bas. Hein. On a l'avion atterrit même souvent. On ne sait même pas que l'avion atterrit avec mes amis. Il parle. Je m'en vais bientôt. Imbécile. Moi, j'ai déjà mon nom. On me connaît partout. On me connaît partout. Toi, on ne te connaîtra jamais. Tu seras le vent. Tu es le vent. Je dis que jamais rien. Comme j'ai dit, c'est comme ça. Jamais te connaître. Il y a beaucoup qui ont commencé ici à faire vous comme ça. Ouais, sont devenus stars aujourd'hui. Toi, hein, tu vas pas la chance, tu auras pas la chance là. Tant que c'est à Facebook, jamais. On vous a vu venir ici. Moi, je marche pas mes mots. Lola avait commencé ici comme ça. Laisse. Ouais. Aujourd'hui, non. Tu crois que c'est toi qui, comme tout le monde se calme déjà, c'est toi qui vas venir remplacer. Tu ne peux pas le poids. Tu entends? Tu ne peux pas le poids. Aucun poids. Tu ne peux pas le poids. On t'appelle ma cocotte. Vraiment? C'est souvent les petits tabacs là comme ça. Hein? Oui. Le tabac qui n'en est pas à ton nom. J'aime encore la tomate. J'ai seulement entendu que Monsieur Delvaux, je n'ai pas entendu que Ngo Babimbi. Je n'ai pas entendu Ngo dedans. Hein. Nous sommes déjà que le moment. Hey, la fin du mois c'est demain, hein? Nous sommes le 30, non? Demain c'est 31. Hey. Maman, la fin du mois c'est demain, oh. Tu as dit que tu as signé pour payer la nouvelle maison. Là où vous allez aller habiter. Hmm? Elle me dit carrément, tu crois que je vais aller payer la maison? Je veux construire la maison au Cameroun. Pourquoi faire? Je dois d'abord acheter ici. Je vais devoir acheter la maison ici pour montrer à mes copines que je les dépasse. Maman! Tu les dépasses, hein? Tu dépasses tes copines? Oui.
Voilà, bon, je vais préparer ça comme ça. Voilà. Donc, tu vois, vous voyez un peu quelques ironies du sort. Parce que tout ce qu'elle fait, sans vous mentir, tout ce que la petite a fait, c'est par rapport aux gens. Tu ne sais pas qu'elle, tu peux avoir le monde entier à tes pieds, mais personne ne te respecte. Hein? Personne ne te respectera jamais. Parce que tu ne vaux pas la peine. On sait, hein? C'est comme ça que je parle des choses. Continue. Au bosso. Bientôt. Du bon pays basmati. Maman, elle fait comme si. Elle fait comme si avant elle, la femme de vivait. Par contre, c'est elle qui donne à manger ou à boire. Ou m'habiller. J'ai profité d'un client. Eh oui, j'ai vu une job. J'ai mangé une job. J'ai pris ton argent job. J'ai pris tes cadeaux job. Mais c'est toi qui vas mourir les yeux ouverts. Avec ta méchanceté, c'est toi-ci. J'ai bu une job. Je ne t'ai rien demandé. Elle enjoy le goût jusqu'à. Je vous jure. Elle enjoy le goût. C'était bon jusqu'à. Elle va beaucoup de chopio. Elle va beaucoup. Elle va machin. Elle va maquillage. Nja. Tu vas mourir, Nja. J'ai bu. J'ai mangé. Nja. Comme si elle connaît ma vie. Va t'asseoir avec vous, tu fabriques la veuve. Mais c'est vraiment fabriqué. Mais tout le monde t'a vu venir. Tout ce que tu vois, c'est la star mania à deux balles. Mais tu ne seras jamais star. Les stars, c'est nous. On vous a fabriqué avec vous. Tu étais qui? Tu connaissais qui avant? Je connais Dieu éternel. Je connais Dieu éternel. Tu mens, tu ne le connais pas. Je connais Dieu éternel, me dit que maman, la fille, c'est gentille jusqu'à. Quelqu'un qui connaît, tu vas dire que la fille, c'est gentille. Tu mens. Tu ne connais pas. Tu es une petite arrivée, une petite intrigante. Tu veux montrer que tu es quelqu'un. Je vais te fabriquer un pian. La dernière fois, elle m'a fait pitié la dernière fois. Tu sais pourquoi? Quand elle était chez elle. Je pars chez elle. Voilà, c'est deux copines. C'est les meilleures copines qui sont au Cameroun. Elles sont parties. Un jour comme ça, je crois que j'étais enceinte. On avait fait une vidéo chez Makumbu. J'avais dansé avec deux filles comme ça. Une noire comme ça, très belle, sexy. Et l'autre qui me boudait, qui sortait de l'Espagne. Là. Les deux copines sont allées au Cameroun. Elles voulaient seulement qu'on lui ramène ses produits parce qu'elles ne mangent pas. C'est une fille qui est anorexique. Vous comprenez? Parce qu'elle est obsédée par tout ce qui est beau. Elle est obsédée par la beauté parce qu'elle, oui, elle ne mange pas, donc elle prend les compléments alimentaires. Et il y a un docteur au Cameroun qui l'envoie souvent ça. Parce que c'est presque fini. Elle a supplié ses copines qu'elle a amené moi ça. Elles sont venues ici en France, à Paris. Elles n'ont même pas apporté, même un petit sachet pour elle. Pour elle, à cause de son Congo, ça qu'elle fait là-bas à Ouzouk. Tu dis que moi je reste seul. Hein? Si tu pouvais savoir, je suis seul chez moi pour les parce que je ne veux plus de gens chez moi. Avant ma maison était le Dorado. Les gens venaient ici, ils dormaient. Les blancs, les noirs, tout le monde venait ici. J'ai mis fin à ça. C'est tout. Et je suis heureuse aujourd'hui étant seule. Que d'être mal accompagnée, bien pour que je reste seule chez moi. Et je suis seule. Et tant que je manque quoi là? À manger, à boire. Oui. Ouais.
Voilà. Pour préparer les riz, bon, je vais vous montrer une petite recette. Pour préparer les riz sautés avec que ça sort un grain, comme je vais faire là. Donc, il faut d'abord un peu frire le riz avec les ingrédients dedans, avec les tomates, tout ça. Vous faut d'abord frire même pendant 5 minutes. Vous tournez les riz, vous frirez. Comme ça va sortir un grain. Voilà. Là, on est ici, on fait déjà pas, non? Je suis là, je n'ai que des personnes. Voilà 384 personnes qui me regardent, non? C'est beaucoup! Un mois, ma famille Facebook qui m'aime. Voilà 4 SM qui est là. Alors, on a quelqu'un, Mark Zuckerberg, il connaît. Il a créé ça pour les gens qui sont seuls comme moi. Moi, j'ai des vrais jeunes. Toi, tu es à qui? Si je n'insulte pas, qui va te croire là-bas? Pas d'agopé! Pas d'agopé! Viens ici, on va ouvrir Padagobert, Padagobert. Le goût. Quand les autres sont en train de travailler au tabac, la bouche est super, ça tombe seulement. Continue. Je parle pas d'elle. Pourquoi je dois parler d'elle? Hein? Demain, c'est le premier. Oui. Tu avais dit qu'avant la fin du mois d'août, je vais vous montrer, je vais payer ma maison. Hein? On est déjà, c'est fini. Hein? Donc aujourd'hui, si tu ne peux pas la créer aujourd'hui, là où tu montres que voilà les clés de la maison à Facebook. Hein? Je veux seulement que tu es une menteuse, tu es une intrigante. Tu avais dit, hey, comme ça, je vais inviter Mafo. Mafo va venir, c'est Mafo qui va bénir la maison. Oui. J'attends, je suis ici, tout ça, on va voir tout ça. La bouche là. Elle est tombée sur l'os. Tu vois un petit collège, on chasse partout. Elle veut la, je veux pas la chasser. On va se la chasser. Elle est venue caler chez la veuve gentille. La veuve joyeuse gentille t'a pris. Pour partir. Je connais, tu connais rien. Tu connais quoi? Sauf idiote, à Vroton. Je n'étais même pas encore clashée. Parce que quand il dit que je clash une personne, je m'énerve d'abord. Tu entends? Il ne peut pas bagarrer. Tu sais que moi, il ne peut pas bagarrer avec toi. Je bats d'avoir avec toi que tout le monde discute qui Guillaume. Guillaume Delvaux. Je suis avec les rouquins. Tu es une traître. Quand tu as dit qu'il y a un au nom de Dieu, Raja Milani avait commencé comme ça. Même le Lolo Fouji avait commencé comme ça ici à Facebook. Attendez. Attends. Comme ça, parce que là maintenant, elle en a marre. En fait, la petite, elle en a marre de rester derrière, dans l'ombre. Elle va aussi créer sa part de tout pour qu'elle aussi ait ses adeptes qui l'aiment là-bas. Ça va être difficile, hein? Yawa. Oui, Monsanto, non? Ah, c'est vrai que tu n'as pas de dose pas. Tu as vu comment tu es belle dans tes photos là? Tu pars toujours à Turquie. Tu ne gardes même rien à la veuve. Hein, c'est vrai que... Mon ami de longue date. Moi, j'ai. Et ce qui est bien avec moi, c'est que moi, je n'interdis pas hein, aux gens. D'aller là-bas, hein. Vous pouvez aller là-bas, vous pouvez aller là-bas, discuter là-bas, discuter là-bas. Si ça vous chante, moi ça me dit rien. Parce que moi, je m'en fous. Je peux finir la vidéo aussi, mais dans la plupart des vidéos que j'ai faites bien, moi, mais je les efface, non. C'est tout. Moi, je ne suis pas trop là que les vues ont et ceci. Pourquoi faire, pardon? Moi, j'aime les gens, moi, je ne suis pas là parce que je veux mettre d'abord. J'ai déjà vu des millions de vues ici à Facebook, ça m'a amené où? Mais grâce à Dieu, j'ai quand même eu des amis fidèles, des copines avec qui j'ai confiance, que je peux discuter avec eux, des bonnes personnes. Parce que c'est pas tout le monde qui me regarde là, qui m'aime. Il y a des gens qui me regardent là, mais qui me détestent vraiment, et je le sais. Et c'est comme ça, c'est ainsi va la vie. Et je n'oblige personne à rester ami avec moi. Je n'oblige personne, je n'interdis personne que ne pas regarder là-bas. Vous pouvez regarder les vidéos de qui que vous voulez sur Facebook. Mais interdiction chez moi de m'insulter, c'est tout. Non, c'est tout. Aujourd'hui, c'est vendredi, non? Oui, non. Ma première ministre, aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a invité dans un chic endroit. Je veux faire ta la cour aujourd'hui. Donc, Morgane, j'aime. Hein? Morgane, ma petite chérie. Je vais te honorer aujourd'hui. Comme je sais bien le faire.
T'inquiète. Moi, j'aime les gens. Toi, moi, tu ne cherches pas de la stanania. Tu ne cherches pas la. Tu ne cherches même pas la. Tu ne cherches rien. Tu t'exprimes déjà très bien en français. Tu écris bien le français. Tu parles posément. Tu n'écris pas. Tu n'es pas vulgaire. Tu ne cours pas derrière la veuve. Tu n'es pas dans les soirées africaines. Tu es quelqu'un qui me faut. Parce là que dès qu'il y a une soirée là-bas, elles ne vont pas, non. Il y a combien de soirées que j'ai refusé d'aller ici à Paris? Combien de soirées? Et quand elle me voit avec une autre fille dans la photo, elle, maman, quand elle me voit avec une autre fille dans la photo, elle s'énerve. Hein? Elle dit, ok. Elle me voit avec une fille, elle s'énerve. Elle est jalouse. Non, tu ne dois pas te filmer avec les gens, tu ne dois pas te filmer qu'avec moi. Elle dit, eh. T'es dit. C'est comme c'est sa vie. Pas d'agobert. Je t'ai dit que je n'ai pas encore clashé avec toi. Là encore, je parle de ce parc. Le jour que je demande que je me fâche contre toi ici à Facebook, c'est le jour alors que je vais te fabriquer propre. Je vais te nettoyer ta race là propre. Mais pour l'instant, non. Parce qu'il y a des gens qui me disent la veuve, calme-toi. Je t'ai dit de te donner deux rendez-vous. Les 7 chez Amoto et les 9, là vous avez fait. Je veux venir là-bas. Tu ne me connais pas bien. Parce que c'est bien beau de rester ici à Facebook, crier fort. Toi, comme tu dis que tu as ton mari, moi je vais te montrer que je suis veuve et ancien combattant. Bon. Déjà pas. Et que là encore, je parle encore doucement. Attends. Tu ne sais pas ce qu'on appelle que clasher une personne. Je veux te clasher un jour vrai, vrai, propre. Tu vas faire quand même. Quand tu ouvres ton Facebook comme ça, tu vas avoir peur. Tu ne me connais pas bien. Pour l'instant, je cache encore doucement en rien. Le jour que je veux m'asseoir sur toi, toi, les petites sévères mentales. Attends. Kikise, tu m'as envoyé les shut up. Il faut m'envoyer les nouvelles versions de shut up là. Hein. Parce que c'est ça que je veux porter quand je vais chercher la petite énergumène là pour lui. Bonjour mon frère. Pour lui parler en vrai. Merci Cathy. Pas d'agobert. Nous quoi dans la sauce? Est-ce que j'ai encore besoin qu'on me fabrique, mes amis? Hein? Je n'ai plus de suite à Cathy qu'on va fabriquer. Je suis déjà fabriqué depuis par moi-même, présentement. Par moi, mais les villes ne me disaient rien. Tu dis que je n'ai personne. J'ai Cathy FMI qui est là pour moi. J'ai Jasmine qui est là. J'ai mes amis qui même qui me regardent, qui sont là. Oui. Mes vrais amis. Oui. Une chose comme ça. Elle dit, je constate que tu as parlé des gens. Je parle avec toi. Je parle comme ça. Je peux même parler comme ça avec toi. Tu crois que je te... Je t'ai connu. Congo ça, j'ai parlé. Ma foufou, ma drogue. Tu vas me dire le jour là où j'ai dit que tu pas tuer ton mari. Tu vas me dire le jour là si j'ai appris la drogue un jour devant toi. Parce qu'il faut faire attention. Hein. Tu vas me dire le jour là. Comment tu as trouvé une famille? Tu vas me trouver avec mes amis les Kanka, les Ngosa, les Lolo. Lolo même a commencé en 2016. Oui, Lolo a commencé ses soins en 2000. L'année dernière, non. Ok. Elle a commencé ça quand? L'année dernière, en 2017, oui, parce que je partais au Cameroun. Quand avec la grande avec la bille jaune là, oui, je partais au Cameroun, oui. Oui. Oui, c'est l'année dernière qu'elle a commencé ça. Oui. En 2017, oui, pas 2016. Toi, tu viens commencer quand? À la fin du mois, hein? Oui.
La reine Elisabeth est dans son trône avec mon époux, Père Dagobert. Vous savez qu'aujourd'hui, Kouat Mazab Abdul, Lolo, c'est ma soeur, elle n'est pas ma hantée. Par rapport à quoi j'ai un problème encore avec elle. Lolo, c'est ma soeur, elle restera, elle le dit, oh, que c'est ma soeur. Je n'aime pas les hypocrites de Facebook. Comment parler de la paix avec une personne dans le soumou? Et n'est pas dit à tout le monde qu'on a fait la paix. Moi, j'ai fait la paix avec une personne, je viens que j'ai fait la paix. Oh, c'est tout. La personne qui me tue. Je sais par rapport à quoi. Moi, vous dégagez ça, ce sont les qui ça? Les bakis ça, non? Comme on le dit souvent, que ce sont les bakis ça. Moi, vous dégagez, c'est où? Les rats, la sorte d'où? Voilà, il y a Nia Tade Steven Close qui est là pour moi. C'est une bonne personne. Je prononce le nom des gens que je veux. Vous entendez? Je dis que je prononce le nom des grandes stars. Je ne prononce pas le nom des tchotcheries. Tu entends, non? J'ai déjà clashé avec tous ces gens-là. Je prononce leur nom. Tu entends? Je ne prononce pas leur nom en mal. Tu entends? Donc, quand vous cherchez ce que vous cherchez là, je prononce le nom de Marf si je veux. Je prononce le nom de Lolo si je veux. Je n'ai pas peur d'elle. Je ne les insulte pas. Je prends juste les exemples. D'accord? On est clair là-dessus? Voilà. Je suis libre de prononcer le nom que je veux ici à Facebook. Maman de riz. Non, j'ai mal parlé là. Non, j'ai déjà tourné. Je ne prononce pas les noms. Depuis le matin, j'ai prononcé le nom de la tchotcherie là. Je prononce les noms des vraies stars. Quand elle va être une grande star, là, je prononcerai son nom. Tant qu'elle n'est pas grande star, c'est ma sauterelle à moi. C'est ma sauterelle, c'est ma sifflement, mes évanouissements, ma foufou. Elle est sur ma foufou, n'est-ce pas? Elle est, on avait pris les foufous ensemble. Attends, pour eux, c'est que la fille ne me connaît pas encore bien. Attends. Quand elle va te laver à Facebook, à mon image, tu ne me connais pas bien. Guy, tu dis que quoi? Je suis ridicule. Dès que je être ma fille, je peux accoucher une fille de 38 ans. Elle a 38 ans. 38 ans, je peux l'accoucher. Dès c'est ta fille. Parce que tu voudrais que je prononce son nom. Hein? Elle a 38 ans. Je peux l'accoucher. Je peux accoucher une... J'ai quel âge? J'ai 42 ans. Hein? Donc, à 4 ans, on fait l'enfant. Imbécile. Bande d'affrontons. Je peux l'accoucher. Ce n'est pas ma fille. Elle a 38 ans, cette fille. Elle vous dit qu'elle a quel âge là? Une vieille Wolowos comme ça qui a tourné partout à l'époque d'Aïe, je crois moi, et tout ça, elle n'a pas eu sa chance. Elle a quitté en Guinée, elle a bossé en Guinée, quitté en Guinée, aller au Tchad, quitté au Tchad, aller dans un autre pays, bossa, bossa pour aller en France. Tu dis qu'elle a 38 ans. Donc vous voyez comment elle est petite là? Non, c'est ma petite soeur, oui, mais j'ai 4 ans de plus que elle, j'ai 42 ans. 42 ans. Elle va avoir 39 ans.
cette année ou bien là, j'avais déjà une personne comme ça depuis qu'on se connaît, elle n'a jamais fait l'anniversaire. Pourquoi quand elle fait pas son anniversaire, elle est née quand? On se connaît l'année dernière, non? Elle va fêter l'année si elle ne fête pas. Arrêtez un peu. Elle a 38 ans. Maman, ouais, tu m'as accusé. Donc j'ai quel âge? Tu peux être ta mère. Quelle mère? Je peux accoucher depuis 38 ans. Tu dois aller parler quand tu sois là-bas, aller la supplier là-bas. Et la personne qui prononce son sale putain de nom ici, je le bloque, d'accord? Imbécile. Quand elle m'énerve là, quand elle me suit là-bas chez elle, vous êtes où? Tu deviens ridicule. Ridicule de quoi? Attends, au nom de Dieu. Je veux, dis-lui, je veux la fabriquer. Je veux prendre un temps pour elle. N'est-ce pas? Non, les riz, je viens de tourner les riz. N'est-ce pas Facebook les fait pour faire des japes avec tout? Et que Facebook c'est seulement pour tourner les fesses? Et il faut se montrer bien parler, comment parler, non? Attendez. Le jour que je vais m'asseoir, hein, le jour là, je vais m'asseoir sur la petite fille là. Comme ma petite soeur, elle a 38 ans là, parce qu'elle a 38 ans. Sans prendre de coups, j'ai vu 38. Elle est même âgée plus que son mari. Son mari a 34 ans, elle a 38 ans, comme vous la voyez là. Elle est au sexe là. Je peux l'accoucher. Elle vous a dit son âge. Elle a fait l'anniversaire ici à Facebook un jour. Ah, ouais, voilà un candidat ici. Attends, il y a un candidat ici qui doit partir aussi. Au revoir. Oui. Maman, 40, 30, arrêtez un peu. La femme Jaïe. Je suis une femme Jaïe. J'ai eu mon mari et moi, j'avais 35 ans. Désolée pour vous, j'étais jeune. Je suis encore une jeune femme. J'ai 42 ans, s'il vous plaît. Elle a 38 ans. À 4 ans, on peut accoucher. Je pouvais accoucher. C'est vrai que la femme, même la première mère du monde à quel âge? 9 ans. Hey! Quand tu es encore l'élève de sa mère, je peux accoucher une fille de 38 ans. J'ai accouché seulement tôt, j'ai eu la chance que j'accouche tôt, c'est tout. Et même j'ai accouché ma première fille à 20 ans, chez nous, les boulots. Les enfants doivent accoucher à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Quand on voit il y a 17 ans, 18 ans, 19 ans, tu n'accouches pas. Ça devient un problème dans la famille. Nous, on s'en fout. Nous, chez nous, on veut que les enfants, on ne veut pas savoir qui le fait. C'est comme ça. Pour savoir si tu pars en mariage, c'est d'abord la plupart de nous, les filles boulots. Les hommes viennent t'épouser quand tu as un enfant. Comme ça, on sait que tu vas accoucher encore. Les hommes n'épousent pas les filles pour qu'ils n'ont pas d'enfant. Et s'ils épousent, tant mieux. Ils vont finir comme mon autre soeur, Clarisse Wobson. Elle est partie, rip. Mais, elle dit que moi, ce sont mes soeurs. Moi, je parle que les noms des vrais stars. Avec qui c'est que quand on clash, ça va faire boum à Facebook, comme on fait souvent. Ça, c'est pas son nom par rapport à quoi. Mais arrêtez. Donc, je suis tellement gay à ce point-là. Je peux accoucher une fille de 38 ans. Et j'ai quel âge? Ouais, pas d'agobé ici aussi. Quand j'étais encore ma faux. Hey, ça fait quoi? C'est même quoi ça ici? Mes yeux me dérangent vraiment. Vraiment. Il faut que je pense que je dois aller voir un ophtalmologue. Il me crie les lunettes. Parce que je ne vois pas là. C'est la vieillesse. Le riz. Attends, le riz là, hein. Non, j'ai bien de mettre la viande glacée, la viande congelée des dames. Donc, il y a l'eau. Mon ministre de l'Intérieur est là. Le Félix Nicolo. On ne discute pas avec les tchotchori. Maman, Kikize, tu es là, n'est-ce pas? J'avais passé une commande de combien de t-shirts chez toi pour fêter mon anniversaire.
Elle veut dire que c'est elle qui m'a fait mon anniversaire. Donc, je suis en train de préparer mon anniversaire, c'est toi qui fais. Tu as payé 100 euros comme tout le monde a payé 100 euros. Les gens qui étaient mon anniversaire, tout le monde a payé 100 euros. C'était le but du jeu. J'ai reçu des gens ici, ils ont mangé. J'ai préparé, j'ai fait à manger, j'ai tout fait ici. Hein? J'ai dit que non, ne m'offrez pas les cadeaux parce que moi, il y a les cadeaux un peu bizarres que moi, j'aime pas. Du coup, on est parti là-bas, tout le monde a donné 100 euros. C'est tout. En dehors de ça, tu as fait quoi d'autre? Tu es parti là-bas draguer mon petit neveu là. Hein? Mon petit neveu que j'ai fait la vidéo là-bas l'autre jour là. Tu as supplié d'aller à l'hôtel avec toi pour finir avec toi. Il a dit non. Hein? Flore, Julien Nangas, Julien Nangas, comment? Dame Robert va aller où? Les filles Betty Mouf qui est là-bas. Avec ta sœur de Zaboto. Et qui t'avait dit de Zaboto ici? Les filles Betty accouchent à 2 ans. Imbécile. Je sais que quoi? Elle va peut-être marier ça. Va lui demander donc c'est pour vous là-bas. Donc moi, excuse-moi là. 22 ans Mouf. 38 ans. J'ai vu. Donc, elle a 22 ans, ma fille a 23 ans, donc, fichez la paix, dis donc. Une vieille racine, elle est racine là-bas comme les Makanjo. Elle est comme les Makanjo. Bonjour, ma diamantère. Bonjour, ma grande. 27 ans. Hein? Elle a 38 ans, c'est moi qui vous l'ai dit. 27 ans, comment j'ai. Maman? Maman, moi déjà un là. Quand je m'habille, quand je fais mes petits trucs, tu ne penses pas même que j'ai 40 ans. Les gens me donnent même plus, les gens me donnent souvent moins. Parce que moi, je ne fais plus pas mon âge. Les gens me donnent, quand vous me voyez, vous allez savoir que ça c'est à 40 ans, tu vas dire non. Et que. No. Lovely Eyes. Eh, mon Jack. De quoi? T'as mon numéro de téléphone, Wang Bali. Eh, ah, dis donc. Hey! Tu sais que je n'ai pas encore. Pour l'instant, ça c'est pour animer un peu mon gouvernement là, que je fais là. Faut parler un peu avec vous. Le jour que, hein, je vous manque pas que je vais m'asseoir sur la fille là. Elle va faire que même pour ouvrir Facebook comme ça, elle va avoir peur de Facebook. Elle ne me connaît pas bien. De quoi je suis capable? Elle a votre kit ici avec ton visage là. Elle a 27 ans ou 38 ans, c'est une vieille ou le rose d'époque d'Aïdjo. On ne fabrique pas les masques sifflements ici. Évanouissement. Wow. Dès qu'on finit l'ambinda. Oui, elle a 30. Oui, ça, je ne vous mens pas. Je vais les bloquer. Tu sais que, Severi, tu sais que ça va très vite. Donc, du coup, avant que je bloque, quand la personne revient encore commenter. Ah, mais on laisse qui, n'est-ce pas? Elle, j'anime mon gouvernement avec elle. Comment? Il faut bien que. Hein, il faut bien que le gouvernement aussi doit vivre. Vous aimez les Japap, non? Alors? Oui, chez nous, on accouche très tôt. Une vieille dit qu'elle est déjà vieille là-bas depuis. À 38 ans, elle fait déjà tout. Marié, enfant, maison, tout, veuve. Parce que j'ai tout eu à 35 ans. Toi, à 38 ans, rien. Oh, tu avais dit que. Ne ris pas, pardon. Shut up. Tu m'envoies les hauts là. Je vais offrir une à ma diamantaire. Même comme tu as déjà ta part. Je vais offrir une. Il a dit qu'une vieille coco, les pieds sont secs, secs comme ça là, comme tu sens une personne qui a traversé le désert. Vous voyez la carte là, non? Je vous ai dit que les bousailles sont très méchantes. Pas toutes, hein? Mais elle là.
Vous allez faire des litiges pour votre jeunesse, pour les vieux. Non, pardon, je ne veux pas boire. Le jour que je veux faire les litiges, c'est pour vous dire que je veux faire une petite activité, peut-être vendre aussi les mèches, par exemple, que je veux vendre les mèches. Là, il y a peut-être 1000 euros. J'ai dit maintenant que je fais le litige pour que vous me donnez les restes qu'on demande. C'est ça, non? Je veux vous allez me faire le litige pour les lunettes. Est-ce que moi je ne paye rien en français? Moi, je suis au RSI. Je suis indépendant. Je touche le truc de mon mari. Mon mari. C'est que mon mari est mort avant l'âge de la retraite, non? Oui, parce qu'il est mort, mon Dieu, à 48 ans, je crois. Oui, mon mari est mort à 48 ans. Donc, avant les 60... Ça fait il y a longtemps, non? Là, je sais même, en tout cas. Oui, je vais aller là-bas à Saint-Lazare. Yeah. Parce que quand je fais comme ça, je ne vois rien. Et quand je fais comme ça, que je vois un peu. C'est pour ça que maintenant, les gens vont profiter pour m'insulter parce que ça que je ne veux pas voir. Ni même ou depuis, je ne vois même pas rien. Voilà encore une qui va partir. Minami Totas, au revoir. J'ai même pitié de toi et de face, mais pourquoi rester là? Elle va me gérer. Elle va me gérer. Parce que moi, maintenant, c'est son nom. On va se réveiller avec son nom. Ça va faire la une. Elle fait la une de journée au gouvernement de la joie tous les jours. C'est tout. Ah, Morgan, j'aime, n'est-ce pas? Moi, j'ai habillé que tu as 8 ans. Habillé que tu as 8 ans. Morgan, j'aime. Tu sais que on est vendredi aujourd'hui. Donc. Mes règles viennent d'arriver, ça me fait me revendre jusqu'à. Donc, je vais aller manger ce soir avec des amis. Je vais t'appeler avant. Donc, je vais te nommer officiellement au gouvernement de la joie aujourd'hui. Et ça part direct à Kongosa. Je dis, mon ami de Kongosa, que viens chercher, tu mets là-bas. Comme ça, elle va voir. La aigreur de ça. Elisabeth, maman, bonjour. Je ne change pas. Tu veux qu'on parle de quoi encore ici? Je ne change pas de sujet. Va chercher quoi t'occuper de ma vie. Ma vie est déjà classée. C'est toi, Minani Tostas. Tu dois chercher là où tu vas te faire de Kongosa. Parce que tu continues ici, moi je te bloque. Et tu vas encore supplier. Tu es obligé de créer les comptes tous les jours pour revenir me voir. Va chercher de quoi faire ta vie. Moi je travaille, hein, je suis en vacances moi. Je commence la semaine prochaine, la semaine des classes. Je commence à faire mes petites missions comme je faisais avant. Hein. Va travailler, va chercher ta vie. Tu as quelle vie? Faire une petite chienne et s'éveiller mental. N'est-ce pas, tu m'insultes là-bas tous les jours? Va là-bas, vous êtes les ratouilles des murs. Va là-bas, m'attendre si je suis. Va m'attendre là-bas. Vous êtes partout. Comme les papiers, comme la tiare. Reviens commenter ici, tu vas voir comment je vais te bloquer, imbécile. Tu vois, je ne vois pas quand tu m'insultes là-bas. Tu la connais où? Tu n'as pas connu derrière moi? Hein? Chouagne, on ne sait pas qui tu es, les petits PD de Facebook là. Des rafus de mur. Comme les PD de Facebook sont des hommes de Facebook sont déjà devenus tous PD là. Imbécile. Tu veux commenter à qui? Reviens encore ici commenter. T'es bloqué. À votant. C'est moi qui cherche ma vie. Je vis dehors. Tu veux pas qu'il y ait le courant tous les jours ici. Ma télévision, là, c'est toi qui mets mon crédit de communication. Et bien là. Va chercher ta vie. J'ai déjà ma vie, hein. Ma vie est déjà tracée. C'est toi qui dois chercher ta vie. Que je viens t'asseoir, matin, midi, soir, dans tous les directs des gens. Tu entres dans les gérer des gens, tu insultes les gens. D'accord? Je ne fais aucune paix avec elle. Je ne la laisse pas. N'est-ce pas l'autre jour, vous avez fait votre trois vidéos dans le noir. Après que ma femme est venue gronder là-bas. Continuez à faire vos vidéos dans le noir. Fabriquez-moi. Vous allez me voir où? Vous me connaissez? On mange ensemble, on marche ensemble. On chie ensemble. Mais oui. Eh, hey, ma diamantelle. On va nous envoyer des beaux tricots. Non, je vais commander. Je vais commander parce que moi, j'ai dit, moi, quand je vais au pays, là, quand je rentre toujours, parce que je vais avec les valises, je vais souvent avec les valises pour les gens de ma famille, après, je laisse les valises là-bas. Mais, quand je rentre, quand une personne veut quelque chose, et moi, je suis la seule personne qui part. Au Cameroun, qui ramène, qui porte tu les paquets des gens, c'est moi. La seule personne qui porte les. Même toi,
Maman, ses deux copines étaient au Cameroun. Il lui manquait les. Parce qu'elle n'est pas anémie. Hein. Parce qu'elle elle ne mange presque pas. Même, elle adore manger dehors, mais elle n'a pas mangé ce qu'elle peut après. Elle ne sait pas cuisiner. Donc, ce qui fait que pour elle, c'est facile de faire des petites choses à l'enfant, des petits spaghettis. Bon. Son mari, bon, il se debout tout seul. Donc, elle prend les médicaments, en fait. Elle prend les. On appelle ça comment? Les coupe-faim. Et elle prend les médicaments. Donc, elle préfère boire les médicaments qui la nourrissent. C'est quoi, quand les médicaments, non? Hmm? C'est, elle boit ça pour être bien. Donc, voilà. Qui va cotiser pour moi? J'ai besoin qu'on cotise pour moi. Les gens ici vont cotiser pour moi. Je n'ai pas besoin de votre sale argent. Quand une FMI va cotiser pour moi, un diamanté va cotiser pour moi. Yasmine va, le Phénix va cotiser. Mes gens vont cotiser pour moi. Si je veux l'argent, on litige. Oui. Je veux vendre les mèches et les perruques. Parce que j'adore les perruques. Oui. Et les rouges à lèvres et les parfums aussi. Je veux fabriquer aussi pour moi. La veuve joueuse, je veux vendre ça aux veuves. Il ne vend pas à tout le monde. Laisse-la. Aïe. Menabito, ça. Donc, je te laisse. Je n'ai pas envie de te bloquer. Tu t'es trop bloqué. Reste là. Insulte-moi si tu veux. Laissez-la. Laissez Minami Tostas. Moi aussi, je veux vendre les mèches, les perruques et les parfums. Oui. Rien que pour les veuves de Facebook. Parce que vous êtes tous les veuves là, Facebook. Vos maris sont où? Diamanté, où est ton mari? Quand tu es fait, où est ton mari? Je veux vendre aux veuves de Facebook. Je veux faire les parfums. Hein? Je veux vendre. Séveric, laisse-la. Si je veux la bloquer, je la bloque. Mais je la laisse. Il faut que le gouvernement la joue aussi. Un peu les gens qui insultent. Non. Il faut pas toujours que je. Hein? J'ai dit que reste là. Je peux insulter Morgane par rapport à quoi? Morgane va me faire quoi que je l'insulte? C'est une fille boule de chez moi. Hein? Vous les bassa, vous êtes partout, vous êtes que partout. Allez vous allier derrière vous ça. Morgane, c'est une fille boule, elle s'aligne derrière sa soeur. C'est comme ça. S'il faut faire le tribalisme, c'est comme ça. Jessie est là, mais à ce moment, comme elle ne remplit pas le fonctionnement du gouvernement de la joie, donc du coup, elle est un peu de côté. Mais là, tu es dans mon gouvernement, il n'y a pas un problème. Elle fait son truc de son côté, elle fait la musique, non? Le riz est bon jusqu'à. Tu ne peux rien, tu dis la vérité à qui? Je te calcule même d'abord. Je te calcule, je te laisse ça parce que je ne vais pas pitié. Laisse-la ignorer là. Laisse-la vociférer là. Parce que je veux la. Si maintenant je la bloque même. Elle va encore créer notre faux pour vous venir. Ça sert à quoi? Je ne te bloque pas. Il faut quand même qu'on insiste aussi au gouvernement de la joie, non? Reste là, Minami Tostas. Je te fabrique quand elle parle de ton nom. Je te fabrique. C'est toi qui va m'insulter là-bas, là où vous êtes là-bas. C'est toujours vous qui venez chez moi. Mais toi, tu fais une exception. Je te laisse là. Tu m'avais prononcé son nom. Le nom de quoi? Elle a un nom. Dev William Dev, c'est son nom. C'est dans ses papiers. Dans mes papiers, c'est écrit veuve. Tu entends? Dans mon livret de famille camerounaise, je vais aller mettre ça quand il va au Cameroun là. Mon livret de famille française, c'est écrit veuve. Dans mes papiers, c'est écrit veuve. Dégrément, c'est mon nom Elisabeth. Vous donnez vos sobriquets ici là. C'est quand même quand ça sort, mais d'abord, c'est quel nom ça? Tu dis pour être star là. Oui. Les vrais gens. Bas chez Luc, j'étais bloqué, tu es revenu. J'étais débloqué, tu es revenu. Fichez-moi la paix. J'en ai marre de vous débloquer. Pourquoi tu parles que c'est son nom? Parlez quoi sur ça? Vous aimez alors ça?
Regarde-moi les esclaves de Maf, elles sont là. Les abeilles de merde. Je vous nique la race. Le pouvoir que moi j'ai sur vous, c'est que j'appuie seulement comme ça. Vous êtes parti. Qu'est-ce que c'est ça? Dis donc, vous venez trouver quelqu'un dans son direct. Je parlais mes choses avec mes gens depuis presque une heure que je suis là dans mon direct. Vous venez m'insulter ici. Encore un mot. Mais là encore, je dis que en monétique, je vous bloque. Je vous attends. Je vous débloque souvent parce que ma femme vous dit que pardon. La veuve débloque les gens là. C'est pour ça que toujours je vous ai tous débloqués. Maintenant, hein, encore un mot. Je suis là, je vous attends. Mais Bernadette 15 ans, il n'y a pas de problème. Le but c'est ça, non? Parce qu'elle veut que je donne de l'importance. Mais c'est normal. Moi, je veux même qu'elle devienne star. Hein? Je ne vous mens pas, je ne suis pas là pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Si vraiment, elle veut être star, hein? Si je peux l'aider à être star, hein? Je peux l'aider à être star. Mais oui! Non, je ne vous mens pas. Si elle veut vraiment être star, moi je veux parler de son nom jusqu'à que elle va être reconnue, jusqu'à que ses vidéos. Il faut bien fabriquer quelqu'un, non? Du coup, même à Facebook, elle est venue qui? Derrière moi. Donc, elle est venue derrière moi. Donc, si elle veut être star, à force de parler d'une personne, tu entends, non? Je la fabrique. Il faut qu'elle, moi, je veux même qu'elle soit star. Je veux qu'on la voie dans les réseaux sociaux. Je veux qu'on la voie partout à Cannes. Moi, je veux. Sans vous mentir, sans rancune. Si je peux, moi, fabriquer une personne dans la vie, ça serait aussi bien. On disait que c'est la veuve qui l'a fabriquée, c'est une bonne chose. Moi, non. Si je parle d'elle, effectivement, je veux qu'elle devienne star. C'est ce que moi, je veux sans vous mentir. Sans vous mentir. Vous et moi, on va s'entendre ici. Moi, je veux. Je veux toujours parler d'elle. Je veux, moi, je veux sincèrement. Ça me dérange pas de voir les mêmes, tous les jours les mêmes gens. Mais il faut là-bas, il faut. Moi, voici ici. Non. Il faut un peu la diversité. Il faut aussi que les nouvelles têtes aussi viennent. Il faut qu'une nouvelle génération arrive. On ne peut pas tuer les vieilles femmes comme nous tous les jours à Facebook. On devient déjà vieilles. Quand elle croise mes vidéos, vous voyez comment ils dansent sur mon petit corps. Moi, voici que le corps commence à grossir. Il faut les nouvelles têtes. Voilà mon grand jambe qui arrive déjà, non? Voilà, c'est quelqu'un qui veut fabriquer. Voilà, c'est vrai. Moi, je veux même qu'elle se fabrique parce qu'il faut mener les nouvelles personnes aussi à Facebook. Que nous, comme ça, là. C'est tout. Je vous appelle chez moi. Je veux vendre, j'ai dit, bah, chez Luc, je veux vendre les perruques et les parfums pour les veuves et les rouges à lèvres. C'est tout. Je veux vendre. Je veux vendre qu'aux veuves. Je veux te vendre à toi parce que tu es une veuve. Tu n'as pas de mari. Vous n'êtes pas. Je veux vendre qu'aux filles qui commentent dans tous les bars. Dans tous les trucs. Comme toi, bas chez Luc et Minami Tostas. Vous serez mes premières clientes. Parce que vous êtes les veuves. Vous n'avez pas de mari. Vous êtes partout dans tous les. Dans tous les directs des gens. Pour insulter les gens. C'est vous. Vous êtes les veuves. Mes copines veuves, je vais vous vendre ça par degré. Vous allez payer. Vous allez payer mon parfum. Les veuves de Facebook. Vous ne dormez jamais. Vous êtes partout comme la diarrhée, papier, comme le sida. Laisse-les. Minami Tostas et l'autre, et bas chez Luc là. Vous allez payer mes parfums. Les perruques d'abord là. Quand vous êtes trop laide là, je ne vais pas vous vendre mes perruques. Je vais vous vendre que le parfum. Comme ça, vous allez sentir un peu bon. Vous allez confirmer votre code de veuve ici à Facebook avec moi. Je vous me commande. Ouais. Au moins là, vous faites périr. Ah, est-ce que vous allez confirmer le code ici avec moi? Je veux payer. Je dis que. Je dis que je veux fabriquer les parfums pour vous parce que vous n'avez pas de mari. Je ne peux pas. Il y a des gens qui sont leur mari qui dorment un peu la nuit. Quand les mariés pour le travail, ils n'ont rien fait. Aidez à Facebook. Mais vous, matin, vous êtes là. Tu ouvres ton direct à minuit. Maman, tu arrives groupe. On est assis. Vous dormez quand vous faites l'amour, quand vous baisez quand? Hein? Vous l'avez à quelle heure? Rien. Donc vous êtes devenus les veuves. Vous pensez les veuves comme du village là, non? Quand le mari vient de mourir, non? On vous met d'abord à côté du feu là, vous voyez comment vous avez la suie partout là. Vous êtes comme ça. Donc, vous sentez un peu, parce que vous sentez un peu mauvais là. Ça commence à sentir le roussa chez vous. Vous venez chercher quoi ici? Vous allez, je veux créer mes parfums. Pour les veuves de joie. Je dis, parfum, veuve joyeuse qui sent bon. Voilà le nom. Parfum, veuve joyeuse qui sent bon. Vous allez payer ça.
Voilà, commençons sur elle. Il y a beaucoup de vœux ici à Facebook. Je veux vendre les. Tu veux que d'abord, moi, je veux avoir la qualité d'abord. La qualité. Attendez. Mais de toute façon, les perruques arrivent. Je veux vendre les perruques, les bouges à lèvres, les mats, les Yves Saint Laurent, les Chanel et le parfum. Veuve joyeuse. Je vais envoyer ça. On va me créer ça en Chine. Parce que le Chinois est très mon cher. Je vais appeler monsieur Zhang. Zhang Ying. En Chine, là-bas, c'est mon ami. Il va me créer les parfums là-bas. Quand tu mets ce mot comme ça, tu sens comme tu vois comment. Et on va mettre beaucoup d'air dans le parfum là. Il dit que. Non, chez Luc. Je bloque par rapport à quoi? Si vous me faites quelque chose de mauvais, je bloque. Non, il y a parfois je bloque des gens même par hasard. Mais quand je me rends compte que j'ai bloqué, on me demande que je débloque telle personne, je débloque. C'est tout. J'ai dit que vous si. Quand on va mettre dans le parfum, il y aura les composants, il y aura les masseurs dedans. Il y aura beaucoup d'ail. Et il y aura l'ail dedans. Et il y aura l'oignon. Parce que quand tu prends, d'abord tu fais comme ça. Tu vois d'abord comment l'oignon la pète. Tu vois comment l'oignon entre d'abord dans tes oreilles, dans tes yeux. Tu confirmes le corps. Le parfum de la veuve. Hein? Je dis que l'odeur, après, maintenant, l'oignon qui a piqué les yeux là. Tu peux maintenant, quand tu sors, tu entres quelque part, tu sens comment l'odeur, tu connais comment les Chinois puent souvent là, non? L'odeur de. Ils mangent beaucoup d'ail. Tu vois comment l'ail est sur toi, tu vois comment. Tu montes tristement comme ça. Vous allez devenir comme ça. Le parfum de la veuve joyeuse. Hein? Je vais créer ça bientôt. Je vais appeler monsieur Zhang Ying. Monsieur Zhang Ying. Un seul mot, ouais, elles vont partir au cimetière, eux tous là. Mais c'est bien, il m'a dit que je vais vous tuer, vous tous. Le parfum. Ah. Veuve joyeuse. La morte. Vous allez mourir bientôt, attendez. Il dit que. On va mettre le citron, l'oignon et beaucoup d'ail. Quand vous faites comme ça, vous savez, il y a certains beaux parfums. Quand tu fais. Si tu mets, si tu vois comment le tout là va monter sur vos yeux, tu commences à pleurer seul. Tu vois comment tu mets alors. Par contre, au début, ça va faire un petit odeur un peu bien. Au fur et à mesure que tu marches, là, tu entends comment tu commences à sentir l'ail. Sentir l'ail. Comme ça, tu mets déjà comme ça, genre de fruits seulement. Je vous dis, vous allez être veuve avec moi. Vous ne connaissez pas bien. Est-ce qu'elle peut me donner quelles instructions à qui? On me donne quelles instructions? J'ai besoin d'elle. Laissez-la là-bas, ce sont des gens qui n'ont pas de vie, ce sont les veuves. Moi, je suis une vraie veuve reconnue, mais elles sont les vraies veuves de Facebook. On les chasse partout. On les chasse partout. Mina, Mito, Stars et Bach et Lux, ce sont mes premiers clients. Vous allez venir payer mon parfum. Comme tu es d'abord belle là. Les gens sont assez mesquins. Mais même Tostas, tu as vu la couverture de ton profil. Comment tu peux te regarder quand. Comment tu peux regarder ou vite on fait ce un profil pareil. Ça prouve que tu es vraiment comme tu es là. Je veux te rendre belle avec mes parfums. Mon rouge à lèvres. Vous avez vu que tu. Le rouge à lèvres là juste est comme ça. Je veux te rendre belle ces derniers temps. Tu ne me connais pas bien. Je veux vendre ma chose. Je veux vendre les parfums. C'est bon, je ne me manque pas. Les perruques arrivent. Si ça, au début, si ça marche, oui, si ça marche, là, je vais dire que je fais un litchi pour que les gens m'aident, pour que je fasse aussi quelque chose aussi. Tu vois? Donc, voilà, c'est tout. Si ça ne marche pas, laissez-le m'insulter. Elle est déjà, oui, bien sûr, il faut qu'elle soit star. Je veux qu'elle devienne star. Mais nous sommes à vieille, il faut la relève, non? Mais pour arriver à notre étoffe, il faut avoir les couilles. Mais comme on n'a pas les couilles, il faut avoir les fesses bien larges. Et avoir une pénis, une bouche qui assume beaucoup de pénis, de sperme. Tu es malade. Tu vas être star quand la veuve joyeuse aura une dent. C'est moi qui te promets ça. Pardon, je vous laisse. Euh,
Laisse-la. Oh, je fous quoi avec elle? Je l'attends ici. Elle est où là? Au revoir, Minami Tostas, RIP. Et vous êtes que je vous attends, non? Quand il attrape une, je bloque. Non, déjà, j'ai enlevé le riz. Ça. Elle écrivait RIP chez Minami Tostas. Elle va. Ok, est-ce qu'elle va partir? Merci, Bachéluc. Bolingo a fait quoi? Minami Tostas. Je dis que là, tu sais que moi, je suis quelqu'un que tu me fais quelque chose. Hein. Tu crois que j'ai oublié? Je te prends, je te caresse comme la même fille de son quand elle était petite. Elle m'appelle. Bilois, viens. J'ai dit, maman. Parce que moi, je ne suis pas un enfant qui n'est pas. Moi, je n'allais jamais à la cuisine. Maman, là, maintenant, tu sais quand le ventre commence à tordre là, comme ça là. Je viens seulement. Je dis, maman. Elle me dit, maman, oh. J'ai dit, oui. Après, elle dit, viens alors pendant 25 francs, tu peux acheter le caramel, les petits caramels là, avec la hachise qu'on faisait au Kachi là. J'ai oublié que depuis des années, depuis un moment, elle me dit que viens faire ceci, tu ne viens pas. Je vois 25 francs, je vois 25 francs, maman m'attrape seulement comme ça. On me tapait jusqu'à quand elle était petite. C'est pour ça que j'ai laissé mes amis Toastas. Parce que si je lui demandais, si je disais que je l'insultais que pas. Tu vois, non. Elle allait me bloquer avant. Et quand elle me bloque avant, elle revient dans mes directs quand elle a envie. Vous voyez? Elle revient dans mes directs quand elle a envie. Mais là, comme moi, je l'ai bloqué là. Ça veut dire pour elle, j'ai attendu qu'elle se présente. J'ai regardé seulement qu'elle se présentait devant moi. Vous ne me connaissez pas bien. Minami Toastas RIP. Quand elle disait qu'au début, je voulais la bloquer, mais comme je ne voyais pas bien, j'ai dit que je t'attends. Dès que la coco, elle s'est mise en confiance. Yes, ma pie rip. Me nine to start rip. C'est comme ça au gouvernement de la joie. Et Camille Espoir, on te salue, diamantaire. Et c'est comme ça qu'il faut faire, donc. Tu fais comme un enfant que tu as voix, donc. Tu attends. Tu donnes. Tu arrives. Tu tapes. Pour moi, je ne tape pas. Moi, il fait seulement, j'attends que tu sois devant moi. Je dis que, on fait seulement rip. C'est tout. Bon, une amie, tout ça, c'est parti. Mes amis, je vais vous laisser. Parce que là, je n'ai plus, je veux bien rester, mais je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. J'espère qu'on a passé un bon moment, nous. J'espère. On a passé un bon moment. Comme j'ai dit, je ne sais pas à quelle heure. Ouais, je sais que c'est à 15%. Je ne sais pas à quelle heure je vais me réveiller pour faire. Parce qu'il faut qu'on doit accueillir notre premier ministre au gouvernement de la joie. Donc on va l'accueillir. Je dis que j'ai dosé Minami Tostas. Elle va mourir là où elle. Je dis qu'elle va venir aller écrire un titre. Elle va prendre ma photo là où j'avais bagarré avec Ngosala. Elle va aller me jeter maintenant là-bas avec. Là où mes pieds. Là où il y a l'eau ici au casse là. Je suis sûr qu'elle va me tuer tout à l'heure là-bas. C'est pas grave. Rip. Tu es parti. Je suis habitué. Pourquoi je suis bête? J'ai attendu. J'étais là avec mon nez qui me fait. Ça ne me fait plus mal, mais c'est un peu bizarre. Je ne vois plus bien. J'ai attendu. Je disais que, ouais, la fille, je vais faire comment pour l'attraper. Dès qu'elle est venue encore, il se m'a. J'ai appuyé ma part. Bon, mes amis, je vous fais si ce soir. Si, quand j'ai fait les durettes. Là, je vais manger un peu. Après, je mets les médicaments encore. Parce qu'on m'a donné aussi, on m'a donné un truc pour l'enflement de lait ici. Donc, vous voyez, c'est déjà blanc, non? C'est déjà blanc. Il faut que ça baisse ici. Ça, c'est meilleur apparaît, non? C'est pas grave. Donc, je vous embrasse. On est ensemble. Moi, je préfère les dire là où les gens sont comme ça. Les gens sont joyeux. Les gens rient. On s'amuse. On parle. Voilà. J'ai arrêté Minami Toastas. Comme on attrape sur les enfants têtus là. Elle croit qu'elle va venir me jeter droguée si je la laisse. Par rapport à quoi j'ai peur d'elle. Elle va venir, vous allez voir. Hein? Sans vous mentir, ces jours-ci, elle va revenir. Parce que là, ça lui fout mal. Ça lui fout mal là, maintenant, là, elle est malheureuse là-bas. Parce qu'elle ne peut plus rien faire là, maintenant. J'ai attendu. Elle dit que RIP. Elle dit que pas d'agobé. Moi, nous, on connaît arrêter les gens ici à Facebook. Hey, Linda Monori. Yeah, tu as toujours arrêté, mon Jean. Bonjour, moi, Jean.
Vous croyez que je suis bête? Non, la boisson ne coule pas dans mes yeux. J'ai un problème des yeux, c'est des étangs. Oui. Elle, je l'ai fait pas là-bas. Elle était déjà. Vous comprenez, non? Elle dit qu'elle est partie, rip. Minami Tostas, rip. Elle était là, m'insultait. Je lisais tout, mais je ne savais pas comment faire pour l'arrêter. J'ai seulement fait comme ça, là. J'ai dit que je vais arrêter la fusion. Voilà, moi j'ai passé des moments comme ça avec vous, des moments de gentillesse, les moments de... J'ai bloqué ta côte à Minami, tout ça. Elle m'a insulté droguée ici. Elle m'a vu pas la drogue avec elle. Il y a des choses que j'accepte. Non, mais il y a des choses que j'accepte ici et il y a des choses que je n'accepte pas. Il faut faire attention. C'est pas parce que je suis gentille, je voulais être dire n'importe quoi, que je ne veux pas. Je peux toujours m'insulter une ou deux fois. Ça passe. Mais si tu continues avec les choses qui me choquent, je suis obligé de vous bloquer. Et ce qui est arrivé. Bon, mes amis, je vous remercie. Je remercie tout le monde qui est resté avec moi du début jusqu'à la fin. Je vous dirai ce soir que l'on va faire notre direct pour établir notre premier ministre, Morgan Jam, au gouvernement de la joie. Bonne journée, à très bientôt. Bye bye.